Hey, bonjour à tous et bienvenue pour du City Skyline en compagnie de Monsieur P. Bonjour tout le monde. Donc, alors, ça fait super longtemps que je n'ai pas du tout fait de City. Ça doit faire 2 semaines hein, parce que j'ai eu mes vacances. Donc, il s'avère que, bah voilà, chacun fait ses vacances. Donc, du coup, pour moi, j'ai pu en profiter, me reposer tranquillement sur, justement, sur toutes les vidéos. Bah, me reposer tranquillement, en fait. Voilà. Bon, même si le temps était un petit peu dégueulasse, hein, il faut dire ce qui est, j'ai pu quand même me reposer tranquillement. Donc, du coup, Red apte à faire des vidéos avec vous. Je viens de remarquer en fait que l'eau était super dégueulasse ici. Off, fuck it. Bon, tranquillement. Bon, alors, dans notre ville, où est-ce qu'on a été? Ah oui, c'est vrai. The Big Bouchon. Pourquoi vous prenez pas là, les gens? Ça ira plus vite, hein. Oui, je sais, merci. Faudrait que j'arrive en fait à repartir de là, que je reparte par là. Mais on va voir un petit peu dans tout ça. Alors, au niveau de l'électricité, je suis à 145 mégawatts. What, what, what? Ah bah oui, j'ai mis mes machines là, c'est parfait. On peut avoir enfin le barrage hydroélectrique qu'on avait débloqué. Cependant, pour justement ceci, on me le pose, c'est que ça coûte plutôt cher. Voilà. Voilà. Bon, en clair, ça peut produire. Voilà, ça peut produire 112 mégawatts, mais bon. Personnellement, je le ferai pas. Parce que pour l'instant, en fait, il faut étudier un petit peu la zone qu'on a au début pour éviter les inondations. Notamment cette ville-là, au fait. Ding 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 ding. Oui, bah oui, ding ding. Ah oui, nous avons beaucoup de problèmes. Utilisation de la décharge. Oui, eh bah, désolé, je vais t'en mettre là. Tu seras pas content, mais un peu foutrement rien. Parce qu'il me faut l'incinérateur. Est-ce qu'on avait une usine à incinération? Je pense que oui, nous l'avons. Effectivement, ça consomme plutôt bien. Peut-être en mettre une deuxième à un moment. Ici, pas assez d'employés. Pas assez d'employés, donc il va falloir qu'on mette plus d'habitations. Donc là, c'était des habitations denses et ici également denses. Alors, c'est bien beau les routes comme ça. Mais ça crée un peu de bouchons en fait. Hein. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant. Donc du coup, on va passer dans un autre design. Le bâtiment se vide. Ah bah c'est bien vide. Videz-vous les gens. Pas assez de marchandises à vendre. Et là nous en sommes à la côté boisère. Brûlé. Et hop, ça se détruit. Alors j'ai rajouté des mods. Hein. Donc les mods, si vous voulez les avoir, il faut regarder la vidéo de build. Lien dans la description naturellement. Je les ai installés. Donc du coup ça va me permettre justement de voir un petit peu d'où est-ce qu'ils viennent. Par exemple. Hop. Oula. Oula. Ok, très bien. Gros bouchon. Ah oui, c'est très la. C'est très la route très merdique en fait, hein. Ok. Parfait. Allez, ça c'était notre zone. Voilà. Donc, il y a des bâtiments qui se démolissent parce qu'ils sont abandonnés. En énergie, il commence à être un petit peu juste. Il va falloir augmenter un peu au niveau des lots. On est tranquille. Niveau des poubelles, ça commence à se faire. C'est assez lent, mais ça se fait. Ouais, c'est assez lent, mais ça se fait. C'est plutôt pas mal. Ici, il y a du vidage terminé. Ah, c'est cool. Voilà. Ici, le truc se fait. Là, il est en train de charger. Celui-là, il est vidé. Celui-là, il est en train de se vider. Et celui-là, il se vide aussi. Donc c'est parfait. Ça se fait tranquillement. Production de déchets. Ah ouais, c'est quand même assez énorme. Éducation. Oula.
La décoration n'est pas vraiment très intéressante. Oh, l'université carrément. En même temps, j'ai le fric, hein, donc je peux y aller. Ouais, ça fera que cette zone-là. Là, ça fera les zones-là. Bon, on va mettre une zone là, comme ça ils vont... Ouah, tout seul, tout content. Voilà. Au niveau du collège, est-ce qu'on peut mettre collège? Un collège, j'en ai qu'un. Université. C'est une université, ça? Ah ouais, c'est une université. Donc ça veut dire que j'ai pas mis de collège? Si, j'ai mis un collège. Ouais, mais le collège, il est bof, quoi. Va falloir en rajouter une. On va la rajouter là. Hop, comme ça ils vont tous être contents. YOLO. Ah, manque d'énergie. Ah, ça commence à se faire ressentir l'énergie. Attendez, on va vous mettre de l'énergie. Ne vous inquiétez pas. Et boum! On va vous en remettre et en remettre et en remettre. Voilà. Normalement, ça devrait le faire au niveau de l'énergie. Oui, ils sont tout à fait contents. Mais par contre, la production d'énergie, il y a intérêt de se bouger le train. C'est pas pour dire, mais. Voilà. Pipilipi. Ah, c'est en train d'upgrade en tout cas, donc ils sont plutôt contents. Au niveau des déchets. Oh, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, ils commencent à être moins dans la merde. Niveau santé, ils sont corrects. Au niveau de l'... Ouais, pizza, ils sont à. Ah, il me faut un crématorium. C'est combien? Ah, c'est bientôt d'ailleurs le crématorium. Ah, c'est cool, tiens. On va attendre les 16 000. 16 000 personnes. Et une fois qu'on les a, on est content. Voilà, comme ça, on va pouvoir mettre un crématorium. Oui, parce que les gens sont très contents qu'ils aient un crématorium à côté d'eux. Voilà, nous l'avons eu. Usine de traitement des eaux et crématorium. Et une nouvelle zone de 2 par 2. Prochaine zone, 20 000 et centre solaire. Oh, ça doit tellement produire ce truc en fait. Du coup, santé, crématorium. On peut les foutre à un endroit qui pourrait être sympa. Ouais. On va le foutre là. Ouah, ils sont tout contents. Il y a un crématorium à côté d'eux, ils sont tout contents. Oui, bah oui, normal, logique. Voilà, donc ça coûte un petit peu cher par semaine, mais on va dire que ils sont contents. Soins funéraires, voilà. Capacité 105. Voilà, et ça, bah, il faudrait le vider en fait. Cambien en service, ok. Ouais, ok, au niveau des soins, on est en très grande capacité, donc c'est bon. Sur ce point, il n'y a aucun problème. Au niveau de la police, crime 7%, 7-8%, ça dépend. On est correct, il n'y a pas besoin d'en rajouter un. Hormis que ça, on pourrait limite en mettre un. Hein, pour être vraiment sûr, mais... Ah ouais, ça couvrirait tellement de zones en fait, ça. On va mettre un là. Allez, hop, mettons-en un là. Wouhouhou! Ouais, ils sont super contents. Mon frigo aussi, il est super content. Mais c'est plutôt bien. Est-ce que je peux mettre des arbres? Oui, coût de construction, c'était pas ça que je voulais faire en fait. Au niveau des dépenses revenus, nous en sommes un supplément de 10 000, donc c'est parfait. Au niveau de l'énergie, donc correct. Des prêts, on n'en a pas besoin. Ou peut-être on en avait besoin au début, mais plus maintenant. Oula. Le salon professionnel attire les visiteurs d'ici d'ailleurs. Oh. Grand tour d'intérêt. Oula. Oui, bon, on va dire que c'est pas maintenant, les gens. Hein. Ah, nous pouvons mettre des métros, c'est vrai. Mais en fait, les métros, je crois qu'on en a déjà. Non, on n'en a pas des métros, hein. Non, on n'en a pas ici. C'est pas très grave, c'est pas trop un problème.
Ah oui, il y a les gares ferroviaires à mettre et trains de marchandises. Par contre, électricité, ça fait un peu mal au fion. Mais c'est pas très grave. Ouais, bon, ça on verra ça plus tard. Ça, c'est bon sans traitement. Ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et de toute façon, je peux pas bateau et voile parce que j'ai pas débloqué un océan. Et de toute façon, il n'y a pas d'océan. Donc, comme ça, on est tranquille. Bon. Alors, on va peut-être augmenter un petit peu l'utilisation là. Au niveau des commerces, on va leur mettre une petite région supplémentaire. Alors, c'est quel genre de route que je leur avais mis? Je crois que c'était ça. Ouais. Tout bingo. Hop. Nya. Boum. Hop. Non. Ici non plus. Là, ouais. Voilà, tant qu'à faire, autant faire les choses bien. Oups. Ah oui, c'était bon. Voilà. Alors, ici, vous voulez en fait des zones de danse commerciale. Eh ben, on va vous en mettre. Je mettrais bien une petite ici. Quartier des affaires riches, mais je voudrais quand même que ça soit correct. Également ici, on va commencer un petit peu à augmenter les routes de ce domaine. C'est vrai que la route était tellement bien penchée d'ailleurs. On peut le mettre là. Ah, c'était pas la bonne. Toc. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Hop, ligne droite. Je pourrais mettre ça là. Hein. Comme ça fait une route. Est-ce qu'on peut l'augmenter la route là? Ah oui, mais ça risque de les tuer. What? C'est moi ou c'est les camions qui font le bruit là? Ouais. Ok, si tu veux. On n'a rien vu, les gens. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Hein. Ça sert absolument à rien. Augmentons notre bénéfice ici. On va mettre du moyen, 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 moyen. Bah, du grand plutôt. Et là, du petit. On va rajouter du petit parce qu'ils sont à côté de la zone de bois. Donc, ça pourrait être sympa. Ah, il manque de l'eau. Oui, forcément. Si je vous mets pas d'eau, ça va pas le faire. Ah, de l'eau. Ah, de l'eau. De l'eau. Et de l'eau. Voilà. En plus, on a encore un petit bois ici, tranquille. Ça, c'est sympa. Traitement des eaux usées. Il faudrait peut-être effectivement mettre ça en place, sachant que électricité, ouais, c'est 480. Oula. Ah oui, ça fait vraiment. C'est vrai. Oh! On a atteint les 20 000! Non, déjà? Putain. Après, c'est. Ah oui, port et port de marchandises, zone de 2 par 2, c'est 32 000. Mouah, mais on a tellement avancé d'un coup. Est-ce qu'on met justement le truc de recyclage? Ça pourrait être bien pour ici quand même. Faire un petit port de plaisance. Ah, l'énergie commence à dire. Oh putain, oui, effectivement. Fuel. Autant faire les choses bien, on va faire fuel. Bam! Voilà. Et comme ça, besoin d'énergie. Tac. Voilà, comme ça, c'est raccordé. Ou pas. Si, c'est raccordé, c'est bon. C'est juste que c'était pas accéléré. Voilà, comme ça, au niveau de l'énergie, on est plutôt correct. On est largement supérieur. C'est parfait. On gagne toujours 12 000. Nous avons 20 000 à personne. Ah oui, on avait le centre solaire à mettre. Un centre solaire, puissance énergétique 160 mégawatts. Et ça, c'est combien? C'est 120. Ça coûte 50 000, ça coûte 80 000. Je serais bien partant pour mettre ça. Hein. Pollution sonore. Ah ouais, quand même, nettement moins. Et en plus, ça fait de la pollution. Et moi, je veux pas de pollution. Est-ce qu'on peut le mettre dans l'eau? Non. J'allais me dire, c'est un petit peu what the fuck, sinon. Ça pourrait être sympa qu'on puisse le mettre près d'une route.
Qu'en dites-vous, les gens? On va le mettre au début de la vie. De la ville. Par contre, si ça veut bien. Ch'ting! Ouah, explosion du kilométrage. Voilà. Voilà. Explosion du kilométrage. Voilà, ça c'est parfait. Et puis en plus, ça fait quand même quelque chose de super beau, ça. Alors, 174 mégawatts. Ah ouais, quand même, ça... C'est plus que, en fait, normal, quoi. Ah oui, mais on a, en fait, on a une partie des, de l'énergie qui est dedans, en budget. On a 110%, donc c'est bon. Donc ça, c'est parfait. On va mettre au niveau des eaux, on va peut-être commencer à faire un petit peu de nettoyage au niveau de l'eau. C'est pas pour dire, mais ça pue un peu. C'est moi, tu bug complètement le machin. Ça a combien en capacité, ça, d'ailleurs? Pense. Oh. Ok, c'est juste le traitement des eaux usées. Ok. Bah, juste traitement des eaux usées, donc on va faire ça. Ça. Voilà. Est-ce qu'il y a assez d'énergie, par contre? C'est ça le petit problème. Hop. Juste foutre ça comme ça. Normalement, fonctionne normalement. Capacité de drainage 145 000. Oh, ça va. Ah, traitement des eaux usées, par contre, c'est autre chose. Capacité d'évacuation. Ah oui, on en produit beaucoup. 145 000. Il faudrait en mettre deux, en fait. Hein. Eh ben, on va mettre deux. Voilà. Est-ce que ça fera assez? Oui, ça fera assez, c'est bon. Nous avons réussi. Par contre, je pollue d'un côté, mais je voudrais pas polluer de l'autre, en fait. Traitement des eaux usées, par contre, c'est un peu geste encore. Eh ben, on va augmenter. Hein. Voilà. Traitement des eaux usées, ça devrait le faire. Ouais, c'est bon, on a ce qu'il faut. C'est parfait. J'espère juste qu'au niveau de l'énergie... Ah, déjà, ça se voit. Hein. Ça se voit que c'est en train de... Bon, c'est vachement dégueulasse, par contre, mais... Mais c'est plutôt sympa, hein. Faut dire ce qui. Au niveau de l'eau ici, en fait, c'est stagne. Mais pourquoi ça fait ça? Bon, on verra avec le temps. De toute façon, on voit bien là déjà la différence au niveau de l'eau. C'est plutôt correct, hein. Faut dire ce qui est. C'est plutôt un bon point. Du coup, bah ça c'est bon. Au niveau de l'énergie, nous sommes corrects. Ouais, largement. Niveau de l'eau, disponibilité des eaux, par contre ça commence à être un petit peu juste. Peut-être falloir remettre un petit peu d'eau en supplément, hein, juste en pompage de l'eau. On va le foutre là. Parfait. Hop. Voilà. Voilà, disponibilité de l'eau, elle est correcte. Bon, c'est parfait. Alors, ça c'est bon. Au niveau des déchets, on est un peu dans la merde. Désolé si je vous mets ça en plein milieu, les gens. Bon, je vais peut-être éviter de le mettre en plein milieu. Ouais, il faudrait que la zone soit occupée pour. Ouais, pour ici. Hop. Pourquoi t'es pas raccordé, toi? Si tu es raccordé à quelque part. Voilà, tu es raccordé correctement. Donc ça c'est bon. Ça aussi, ça aussi. Ça, on est un peu dans la med. Caserne, on va vraiment foutre une grosse caserne quand même. 60 000, ah ouais mais c'est bon, on a largement ce qu'il faut nous. Ouais, je voudrais bien mettre chez eux aussi par contre. Et mettre également chez eux. C'est ça qui est un petit peu chiant, c'est de mettre un peu de partout. Hop, on va foutre ça. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là. Bah, bah là, ils sont tous bleus d'un coup. On va leur foutre un petit coup pour eux quand même. Hop, voilà. Ah, ils sont plus bleus, ils sont tous contents d'un coup.
Ils sont rouges et ils sont méga rouges. On va peut-être leur foutre quand même une petite caserne pour eux quand même. Désolé si je vous écrase, mais c'est pour que vous soyez un petit peu plus en forme. Je dis bien un peu plus. Niveau de l'énergie, est-ce que je peux enlever ça? Oui, largement. Voilà, comme ça je peux vous rajouter de l'industrie. Par la même occasion, on va rajouter des routes. Hein. Bah, j'ai dit rajouter des routes. Voilà. Et vous le rajoutez justement ceci. Ah, qui sont un petit peu contents. Et ceux qui sont pas contents, vous vous foutez dans la mer. Voilà. Ça, vous êtes tranquille. Oh oui, c'est quand même beau. C'est plus beau d'un coup. C'est moins dégueulasse d'un coup. C'est plus propre. Hein. C'est pas super cool, mais c'est plus propre quand même. Bon. Problème de déchets ici, par contre. Ouais, je suis d'accord. Eh ben, hop, problème de déchets. C'est raté. Ah, oui, disponibilité de l'eau. Je suis d'accord. Je vais vous en mettre. Voilà. J'aime bien que ça soit très droit, en fait, moi. C'est sur les routes que je veux. Que ça soit bien fait. Donc, c'est pour ça, il n'y a aucun souci pour ça soit correctement bien fait. Bon, on va dire que c'est super sympa. Ça avance plutôt vite. On est à 21 000 personnes. 21, oui, 21 000 personnes. Au niveau des quartiers, nous y sommes corrects. C'est juste eux qu'il va falloir qu'on allonge un peu plus. Voilà. Et eux, bah justement, il faut les allonger aussi un petit peu plus. Voilà. Voilà, ça fait deux quartiers, c'est super sympa. Quartier de l'industrie ici, hein. De toute façon, ça se voit tout de suite. Donc ça, c'est plutôt bien. Faudrait que je fasse un petit quartier agricole. Est-ce qu'on a des ressources plutôt intéressantes, hormis du bois? Non, on n'en a pas trop ici. On a du pétrole en bas qu'on pourrait se servir limite. On n'utilise qu'un seul hectare sur 18 bah comment? Industrie fertile, voilà. J'ai du mal. Forêt, on a 1788 unités par semaine sur 57 444. Ça va. Attends, adolescent. Ressources naturelles adolescents. What the fuck? Mais oui! On va utiliser les ados pour faire de la terre. Oui. Oui. Bah, je sais pas ce qu'ils ont fumé, les mecs, mais ils en ont fumé. Là, il y a un peu de pétrole ici. Il y a du pétrole en fait. Je pourrais mettre une petite industrie ici. Donc, on pourrait. En plus, on va atteindre les 32 000. Faudrait que j'achète du coup cette zone-là. 10 400 par contre. 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Ah, il y a une grande zone aussi là. Je vais l'acheter aussi. Voilà, donc on a ces deux terres là qu'on verra justement au prochain épisode ce qu'on fera. Voilà, tout simplement. Sur ce, bah merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas le like, évidemment. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.